the guns are relatively good. The lead back group's going to be the Mercians and the Warwash. So they're here respectively in 9. As of course, line 2-3 will potentially cross. Cette partie-là est faite pour résister à Arcodrin à Cagnac. Hein. Là où pur diagnostic, c'est la valise. À côté de ça, on a une deuxième boîte. C'est une boîte de visée, la boîte de coupure. Débrancher telle prise sur le véhicule, brancher la prise tendre de la boîte de coupure. On peut se déplacer parce qu'il y a quand même pas mal de terre à suivre. Tu peux saigner. Vu la puce que là-bas, faut que la violence. Oui, un tiers frappe. Oui, c'est un tiers frappe. Ok, d'accord. T'as visuel quand même? À l'opposé du bâtiment, dans le même bâtiment.
Merci les gars. Ce qui est très important avec l'exercice Orion 4, c'est le fait que nous déployons sur le terrain des unités dans leur intégralité, en particulier une brigade blindée, et que nous jouons aussi avec nos alliés un soutien coopératif dans le domaine du carburant, de l'eau et des vivres, et que nous nous entraînons ensemble sur le terrain face à une menace majeure. Donc concernant l'exercice Orion, donc pour nous, c'est une unique opportunité d'entraînement dans le cadre interarmé et interallié. Donc là, nous sommes dans la préparation à la haute intensité, un combat aéro-terrestre face à un ennemi de même capacité, voire qui nous surpasse dans certains domaines. L'exercice Orion est une excellente opportunité pour le 2e régiment de dragons d'approfondir ses capacités de coopération dans le cadre du NRBC. Le domaine NRBC en France est naturellement ouvert vers les coopérations multinationales et le 2e régiment de dragons participe de façon très régulière à la prise d'alerte
NRF, NATO Response Force, et est une composante essentielle au titre de cette participation à la capacité de réaction de l'OTAN en matière NRBC. C'est important pour la Belgique de participer à cet exercice car ça nous permet de développer notre interopérabilité dans le cadre du partenariat binational CAMO. Donc on travaille ici en synergie avec la logistique française au sein de leur groupe de soutien divisionnaire multinational. There's the wider benefit of the interoperability. A British brigade being inside a French division and just proving that it works. And the answer is it does work. And it works because we're all using the same NATO standard operating procedures.